Les fleurs du paradis. Ce titre m'est venu assez spontanément suite au cataclysme qu'a subi cette cathédrale Notre-Dame de Paris il y a 2 ans, le 15 avril 2019. Les premières images que nous avons perçues après l'incendie étaient ces fameuses rosaces, totalement intactes, avec ce faisceau lumineux qui les traversait, qui éclairait la Vierge et l'enfant dans le cœur. Tout un symbole. J'ai rapidement imaginé une pièce pour piano et quatuor à cordes, un quintet qui serait dédié à cette cathédrale qui, non seulement est un lieu spirituel, religieux, mais aussi une grande œuvre d'art, avec sa fameuse charpente, la forêt, toute cette splendeur architecturale, mais aussi les premières polyphonies avec Pérotin, l'école de Notre-Dame, les grandes orgues. J'ai donc imaginé 3 grandes sections. Une première qui parlerait de l'avant Notre-Dame avant l'incendie, Pérotin et autres, puis pendant l'incendie, avec cette propagation des flammes, mais aussi la chute de la flèche, ce cataclysme qui nous a tous sidérés, puis l'après, une lueur d'espoir avec des citations de Mendelssohn. À travers cette création musicale, nous souhaitons apporter avec le quintet tout notre soutien à musique sacrée, qui représente l'historicité de Notre-Dame, le chant grégorien, mais aussi la maîtrise, les organistes. Pour cet événement, nous avons la chance et l'honneur d'avoir pu associer Michel Zinc, écrivain, poète, spécialiste en littérature française médiévale, ancien professeur au Collège de France et académicien. Voilà bien des années que j'écoute avec admiration le Quatuor Girard à la Fondation Saint-Gerre-Polignac. Et ce qui nous a rapprochés, eux et moi, c'est que j'ai eu l'honneur redoutable de succéder à leur grand-oncle, René Girard, au 37e fauteuil de l'Académie française. Ce hasard, si je puis dire, justifie seul ma présence ici, car je ne suis ni musicien, ni musicologue, je suis très mal placé. Je suis sans doute très loin du paradis et je suis mal placé pour présenter cette création musicale de Mathieu Stefanelli, s'appelle « Les fleurs du paradis ». Alors il y a tout de même une toute petite raison, c'est que je suis médiéviste, comme dit l'autre, il n'y a pas de saut métier, mon domaine est la littérature du Moyen-Âge. Et en particulier, je me suis intéressé, même contraint et forcé, j'ai fait ma thèse en partie sur lui, à l'évêque qui a construit Notre-Dame, qui a lancé la construction de Notre-Dame, Maurice de Sully. Et de sorte que ce milieu de Notre-Dame au XIIe siècle, ce milieu qui voit non seulement l'épanouissement dans le cloître de Notre-Dame des écoles parisiennes qui vont donner l'université, mais aussi ce prodigieux épanouissement musical de l'organum qui va donner naissance à la polyphonie, comme si toute la musique moderne était née à Notre-Dame au XIIe siècle. Lorsque, il y a quelques années, en 2013, on a célébré le 850e centenaire de la mise en chantier de la cathédrale. Nous ne nous doutions pas qu'elle serait victime de cet incendie horrible 6 ans plus tard. Eh bien, à ce moment-là, on m'avait demandé de composer un poème à l'occasion d'une messe chantée. Et alors, comme je suis narcissique, et comme je suis là par hasard, ce poème, je vais vous le réciter. Je n'ai pas peur du ridicule, il sera suivi par de la belle musique qu'il fera oublier, mais je vais le réciter. Et ce poème a tout de même un lien étroit avec Notre-Dame. D'abord, alors, comme je suis un cuistre, que j'utilise une science lourde, j'ai utilisé un type strophique qui a vu le jour exactement à ce moment-là, à la fin du XIIe siècle. À la fin du XIIe siècle, un jeune noble de la cour de Philippe Auguste, Hélinan de Froidmont, s'est converti, comme on disait à l'époque, et est entré au monastère. Et il a écrit un poème, s'appelle « Les vers de la mort »,
pour inviter ses amis à quitter la vie mondaine et le risque qu'elle faisait courir à leur âme et à l'imiter parce que nous devons tous mourir. Et ce poème, un peu rhétorique mais qui a sa beauté, est composé dans un type de strophe qu'on a appelé en son honneur strophe hélinandienne. Ce sont des strophes, des octosyllabes, des strophes de 12 octosyllabes de rimes AAB, AAB, BBA, BBA. C'est-à-dire qu'il y a un enroulement et un déroulement. Et cette strophe a eu un grand succès, justement, dans des poèmes qui sont des poèmes religieux ou de méditation spirituelle, et ou d'enseignement spirituel ou moral, mais aussi dans des poèmes personnels, parce que le lien est très étroit de l'un à l'autre, de la réflexion religieuse à la réflexion sur soi-même. Et en particulier, quelques années après, dans les premières années du XIIIe siècle, un poète d'Arras, qui s'est aperçu qu'il était lépreux au moment où il allait sauver son âme en partant pour la croisade, a composé un long poème, ses congés, où il prend congé de ses amis, dans ce style. Alors moi, je n'ai pas le talent de ce poète Jean Baudel, mais j'ai repris ce type strophique. Et plus encore, l'évêque qui a fait construire Notre-Dame, Maurice de Sully, a laissé un recueil de sermons pour tous les dimanches de l'année, pour les grandes fêtes, qui a servi, mais jusqu'au XIXe siècle, de manuel aux prêtres ou aux curés en mal d'imagination, pour composer leur sermon dominical. Et ces sermons ont été très vite traduits en français, ce sont les premiers monuments presque de la prose française. Et dans un de ces sermons, Maurice de Sully raconte le premier, une petite histoire qui a eu un grand succès, l'histoire du moine et de l'oiseau. Il y avait un moine qui était un excellent moine, mais qui avait peur de l'éternité. Il avait peur de s'ennuyer pendant l'éternité. Il trouvait que le paradis, ça devait être un peu monotone. Et un jour, à l'heure de la récréation, il est allé se promener dans la forêt, et puis il s'est arrêté un instant pour écouter chanter un oiseau. Et puis il a repris le chemin du monastère, il est arrivé, il ne reconnaissait pas le portier, qu'il ne connaissait pas, il ne reconnaissait plus personne. On a fait venir l'abbé, qu'il ne connaissait pas non plus. Et l'abbé a dit « Ah !» Et il s'est nommé. Et l'abbé a dit « Ah, mais il y a 100 ans, il y a un moine de votre nom qui est parti se promener dans la forêt, qui n'est jamais revenu. » Il a vu que la jouissance de la musique est telle que, comme dit l'autre, l'éternité est bien vite passée. De sorte que je fais allusion à cet exemplum, comme on disait, cette anecdote édifiante dans la seconde strophe de mon malheureux poème, mais c'est une introduction aux merveilles que vous allez entendre dans un instant après m'avoir supporté. Donc, je le récite, je m'exécute. Plus de 8 siècles sont passés et nous sommes toujours massés dans ton église, ô notre mère. Âmes salies et corps cassés, nous ne nous sommes pas lassés de te dire notre misère. Écoute, notre voix amère s'adoucit dans notre prière, sous la rose, les yeux baissés. 8 siècles que les saints de pierre sont douceur à qui désespère et chaleur à nos cœurs glacés. 8 siècles, un instant qui passe, comme le temps fuit et s'efface, pour qui entend chanter l'oiseau, l'oiseau dont la musique est grâce, et dès ici-bas une trace de l'éternel bonheur là-haut. L'évêque, instruisant son troupeau, le disait en ses propres mots qui bâtit cette église, efface le Seigneur qu'en lieu aussi beau, quand viendra le jour du repos, chacun de nous trouve sa place.
Thank you.
Père Luc Rédel, vous êtes l'aumônier des artistes du spectacle à Paris. Pourquoi avoir accepté d'accueillir ce projet en l'église Saint-Roch ? Eh bien, Saint-Roch étant l'aumônerie des artistes du spectacle, comme vous l'avez dit, depuis bientôt un siècle, en 1922, il était tout à fait logique que je puisse accueillir, et je remercie aussi le curé de la paroisse de l'avoir accepté, eh bien, ce projet au service des artistes qui sont à Notre-Dame de Paris, de cette maîtrise de Notre-Dame de Paris, alors même que dans cette église, tous les artistes viennent depuis bientôt un siècle prier tous les dimanches à la messe à 12h15. Thank you.